Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crispations. Donc, je finis un collage. Voilà. Et je vous montre tout ça. Donc, alors, ici, mon petit cœur. Voilà. Ici, je n'ai rien mis parce que voilà, j'ai ma grande pochette, hein, ici. Voilà, je mets encore du papier là pour décorer. Donc comme ça, c'est assez épais. Voilà, les bras s'ils sont épais, donc ça me fait une marque même là. Donc je n'ai rien mis, hein, sur cette page. Je vais rien mettre. On peut mettre une photo, hein, ici. Voilà. Donc on tourne la page. Et des fois, ça gêne. Ici, je n'ai rien mis non plus. On peut mettre aussi une photo, hein, ou du journaling ici. Voilà, une petite photo. Parce que comme c'est épais, donc je préfère pas. Et sur l'autre page, j'ai rajouté deux grands rabats. Voilà, tout simple. Hein. Donc, qui mesure, je vais vous dire à peu près, avec 1 cm de bordure, il fait 14 sur 16. Donc deux rabats, 14 sur 16, avec un pli que j'ai collé de chaque côté. Donc il va venir comme ça et comme ça. D'accord? Et en dessous de ce morceau-là que je viens de coller, j'ai mis une ficelle, une petite ficelle. Et je viendrai avec mon petit rond ici que j'ai fait. Donc j'ai pris la 2,5, hein, toujours. Et là j'en ai une toute petite. Je vous montre. Voilà, d'un 1 cm. Donc j'en ai collé deux l'un sur l'autre. Et j'ai mis un petit morceau de double face épais. Voilà. Pour qu'on puisse tourner avec la ficelle tout autour. Donc, pour fermer cette page. Hein. Donc par contre, je ne sais pas où je vais le mettre. Peut-être là. Et je tournerai comme ceci. Voilà. Ça fait un rappel de l'autre. Oui, bon, c'est pas assez collé. Hein. Je vais attendre encore un peu. C'est pas assez collé. Donc, je vais laisser sécher comme il faut. Mon petit rond. Voilà, donc il y aura la ficelle ici. Voilà. Ici, pour moi, on peut mettre une photo aussi. Ici, ça sera pour 3 photos. Voilà. En général, sur la première, on met jamais de photo. Bon, peut-être là. Hein. Ici, vous pouvez mettre une photo. Voilà. Donc ici, juste 2 grands rabats et une ficelle. D'accord? Donc tout simple. Hein. Voilà, un petit cœur. Ok. Donc comme ça, là, elle était assez épaisse. J'aurais même dû la mettre à l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas fait, mettez-la ici. Comme ça gênera moins ce côté. Du coup, là, je ne peux rien mettre du tout. On pourra mettre juste une photo ou je mettrai un mot. Ouais, peut-être une étiquette ici, je ne sais pas. On verra pour la déco. Voilà, donc ici, c'est une page toute simple. Et ici, il y aura mon petit rond. De rabat, voilà. Et nous allons alors sur cette page là, je sais encore pas, mais je vais peut-être faire sur cette page ici. Voilà, dedans pour que ce soit peut-être mieux. Voilà, j'ai de la place, mais là aussi j'ai de la place, donc peut-être je vais la faire. Donc en fait, je voulais faire deux petits rabats. Donc je vais prendre mon papier, peut-être dans les chutes, hein. Ça ira très bien dans les chutes. Voilà, j'ai des crochets ici. C'est trop petit. Voilà, ceux-là sont plus gros. Je vais prendre la même dimension. Je fais un petit trait. Hop. Et je viendrai faire 2 petits rabats et une pochette en dessous, vous savez. Comme j'aime bien. Voilà, donc je ferai la pochette en dessous.
Donc je vais faire 2 rabats. Je vais venir tout couper au massicot. Avec bien sûr un rabat d'un centimètre pour le collage toujours. Alors, je prends toujours là un centimètre. Hop, je fais mon rabat. Et on plie un petit peu comme ça. On arrondit nos pages toujours. Il faut prendre cette habitude. Voilà, je viens couper mon rabat. Voilà. Ensuite, je vais faire un rabat d'un centimètre. Voilà. Et je vais tout de suite l'arrondir. Donc là, il y en a un peu trop. En bas. Donc, elle est ma marque. Elle est là. Donc là, j'en enlève un peu. Parce que, pour que ce soit pareil, bien sûr. Voilà. J'ai un peu de travail. Donc, il faut que je refasse. On va la prendre comme ça. J'étais un petit peu de travail. Voilà, que ce soit quand même droit. Donc maintenant j'ai plus la même dimension. C'est pas très grave aussi. Hein. Voilà, alors on va faire nos deux rabats. On va coller comme ceci ici. Ainsi, il faut que ce soit la même longueur ici. Je vais couper un comme ça ira pas si. Donc attention d'aller bien à droite. Voilà. Ok. Donc je vais coller mes rabats ici. Donc ça c'est la page que j'adore le plus. On peut mettre des photos ici. Hein. Ma page préférée, on va dire. Donc tout en haut. On va voir si c'est droit les deux ensemble. Voilà. Et on appuie bien. Alors. Voilà, on peut arrondir les coins aussi, hein. Ça sera plus joli. Et puis ça protégera les coins. Ok, donc j'enlève les petits papiers là. Hop. Parce qu'après je les retrouve partout. Ok, donc on a nos rabats, d'accord. Ensuite, on va faire une petite pochette ici qui va venir juste en dessous, hein, ou 2 mm. Hein. Et sur les côtés, on va bien sûr laisser, disons, 5 mm. Sur chaque côté à peu près pour faire une pochette. Alors on va faire déjà ce côté là on va couper le surplus, d'accord, et on va faire nos deux rabats sur les côtés parce qu'il nous faut une pochette assez épaisse, hein. Et peut-être on va en faire un en dessous. Oupa. Alors je vais faire comme ça. Voilà, donc la pochette est juste en dessous et ensuite on glisse une carte double. Voilà, c'est ça que j'adore. Donc on va juste venir coller les coins, les rabats, les deux côtés, ici, juste en dessous de la page, au ras du bas. Voilà. Et où est ma page?
ça fait un peu d'épaisseur là pour mettre mes cartes doubles, ce qui va tenir tout l'ensemble. Donc je reprends un papier et je vais faire une carte qui va rentrer dedans, donc jusqu'à là à peu près, et assez grosse. Voilà, donc je recoupe. Ah ben, faut que je fasse en deux. Donc, on va faire deux fois. Je vais déjà couper là. Je coupe une bande. Et on va venir faire le milieu ici. Voilà. Ça, je le plie en deux. J'en ai ma carte et je marque où il faut couper. Voilà, je coupe directement sur mon massicot. Voilà. Ok, voilà notre carte. On va arrondir les coins. Ce que je préfère. Voilà. Nickel. Et donc, cette carte viendra dans notre pochette ici. Et oui, j'ai oublié de coller en bas. Quelle nounouille! Je fais un trait de colle aussi en bas, pas oublier. Sinon, la carte elle va passer à travers, comme je viens de faire. Je fais que des bêtises en ce moment. Et voilà notre carte. Va tenir toute la page. Ça, j'aime bien, j'adore. J'adore ce système avec la carte qui tient toute la page. Ici, on va pouvoir mettre au moins 3 voire 4 photos. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre des petits touts du journaling ici. Une déco ou une déco. Voilà. Alors, tu vois, ça fait 5 photos. 5 à 6 photos dans une page. Ça, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime. Voilà, on va laisser sécher et ensuite je ferai les couleurs. Je vais finir ceci aussi. Je vais le coller. Donc, je vais venir le coller en haut du petit lit. Voilà. Ici, comme ça, on va pouvoir tourner notre ficelle autour. Pour la page avant, je fais doucement, pas l'abîmer. Voilà, je mettrai un petit cœur aussi. Voilà pour ma page, j'adore. Et je décorerai toutes mes pages. Ça, c'est un truc que j'adore. Une fermeture comme ça, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. Bon, je fais à peu près toujours les mêmes. Bon, celle-là, non, c'est une nouvelle. C'était une pop-up, mais elle n'est pas super bien réussie. Franchement, j'ai un peu loupé le truc. Mais ça le fait, ça le fait. Voilà. Hop. Ici, une tâche en rien. J'aurais pu faire quelque chose quand même. On va voir. On va voir. Peut-être que je ferai une pochette, ça se tombe. Voilà, ici. Des grands rabats. Tout simple. Hop. Et ici, ma dernière. Voilà, merci d'avoir regardé. Bonne journée, au revoir.